C'est demain que la Banque du Canada va annoncer si elle augmente encore les taux d'intérêt. Une majorité d'économistes anticipent le statu quo et puis on l'a vu tout à l'heure à l'émission À vos affaires. Néanmoins, il y a des voix qui s'élèvent et qui veulent qu'on réforme la structure des hypothèques au Canada pour vous aider à joindre les deux bouts et à être mieux protégés dans un contexte de forte volatilité. Euh, je pense à des entrepreneurs à qui j'ai parlé récemment et qui me disaient si on veut construire des maisons, il faut revenir à des hypothèques sur un terme de 30 ou même de 40 ans pour faire baisser vos paiements mensuels. Donc, au lieu de contracter un prêt sur 25 ans, on le fait sur 30, sur 40 ans, comme si c'était possible là, au début des années 2000. Mais vous allez voir, je ne suis pas certain que vous êtes d'accord avec ça. Si c'est plus petit, c'est sûr, ça aiderait, mais. Ouais. Vous êtes sceptique. Un peu, oui. <laughs> ça serait étirer un peu les dettes. Alors, je vois pas que les gens là, veulent payer pendant 30 ans. Non, 25 ans, c'est déjà un gros max, d'après moi. Moi, je préfère que ça soit plus court, un petit peu plus dur, plus court. On s'en sort, puis c'est fini. Moi, de mon côté, je suis plus avec le fait d'accélérer de payer l'hypothèque pour payer moins d'intérêt. Donc, moi, dans mon cas, je suis toujours un locataire, mais à un moment donné, quand je considère d'aller acheter ma première propriété, je sais le plus possible d'accélérer ça. Donc, pour moi. C'est pas une option. C'est pas un big deal. Sylvie de Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Rebienvenue à l'émission. Merci. On a vu, les gens sont pas trop chauds à l'idée de voir leur hypothèque échelonnée sur 30, 35, 40 ans parce que ça fait mal, puis ça fait mal longtemps. Par contre, chez Options Consommateurs, vous avez une proposition pour le gouvernement fédéral c'est d'augmenter les termes de nos hypothèques, c'est-à-dire la période entre les renouvellements. Oui, tout à fait. Parce que là, présentement, ce qu'on voit sur le marché, souvent, c'est assez court terme. On parle de trois ans, parfois cinq ans. Euh, ce qui fait que si on regarde même la situation en date d'aujourd'hui, il euh, y a plusieurs consommateurs qui vont avoir de la difficulté au moment du renouvellement parce que les taux ont tellement augmenté qu'ils n'auront peut-être plus les moyens de contracter mm -hmm. une nouvelle hypothèque. Alors, ces gens-là risquent de se retrouver un peu dans le, dans le trouble, si on veut. Ce que vous, ce que vous voulez que le gouvernement fédéral fasse, c'est offrir une paix d'esprit euh, à ceux qui contractent une hypothèque, par exemple, à un taux variable 10 ans à 5 Exactement. Donc, de mettre ça sur une plus longue période, ça offrirait une meilleure stabilité. C'est plus prévisible à la fois au niveau des revenus, tant pour les banques que pour euh, les consommateurs, qui vont savoir à quoi s'attendre au niveau du paiement. Ça évite justement le jeu du yogio -yo sur euh, les paiements hypothécaires. Et euh, l'idée à travers ça aussi, c'est d'assurer une stabilité au niveau des coûts euh, des maisons. Euh, ça se fait ailleurs? Ça se fait ailleurs. Aux États-Unis, la situation est, est comme ça. C'est des périodes plus longues. Puis on a vu moins d'augmentation euh, fulgurante des prix des maisons. Euh, Lorsqu'on a vu, euh, dans les dernières années, quand les taux étaient très, très bas, ben les... Le prix des maisons a vraiment augmenté. Alors, si les taux étaient plus stables sur une plus longue période, ce qu'on pense, c'est que ça va éviter ce genre de fluctuation de marché-là également. Ça va éviter une trop grande volatilité, entre autres, sur le plan du prix, euh, du prix des propriétés. Exactement. Euh, on, on voit ça ailleurs. Bien, aux États-Unis, il y a des hypothèques sur des termes de 30 ans. Euh, au Japon, c'est pire, là. <laughs> il y a des hypothèques sur des termes de 90 ans. C'est-à-dire, au lieu que mes enfants héritent d'un patrimoine, ils héritent d'une hypothèque. Ça, c'est pas jojo. Pensez pas que c'est une bonne idée que le gouvernement ramène. Des, des, des périodes d'amortissement sur 30 ans, sur 35 ans, comme c'était le cas avant la crise financière de 2008? Bien, la raison pour laquelle on a fait ce changement-là, c'est parce qu'on a jugé que c'était justement trop long. Il euh, faut se rappeler que quand on rembourse une dette, plus l'échéance est longue, plus on paye en intérêt. Alors cette mesure-là d'augmenter les délais... Ça peut donner peut-être un, un petit break temporaire dans la mesure où nos paiements bon, vont peut-être être un petit peu plus petits, mais au final, ce sont les institutions financières qui vont gagner parce qu'elles vont faire plus d'intérêts sur une plus longue période. Vous me dites, les, les banques gagneraient Ça arrive jamais, ça <laughs> euh, Céline de Bellefeuille, dans la lettre ouverte que vous avez envoyée, notamment au gouvernement fédéral, vous réclamez également euh, qu'il y ait plus de restrictions sur l'accès au crédit. Est-ce à dire qu'en ce moment, il y a des gens qui peinent à joindre les deux bouts parce qu'ils ont contracté une hypothèque et qui n'avaient pas nécessairement les moyens de leurs ambitions? C'est ce qu'on craint. Euh, donc, les critères peuvent être, pourraient être resserrés davantage. Il y a quand même certaines mesures qui ont été faites dans les dernières années pour essayer justement de s'assurer que les gens ont les moyens de payer, des tests de résistance qui se font lors de, de changements oui. de taux d'intérêt. Euh, mais ce qu'on a vu dernièrement, c'est quand même une augmentation fulgurante des taux d'intérêt. Et euh, malheureusement, la situation financière des gens n'a pas nécessairement suivi l'augmentation euh, des taux d'intérêt, ce qui fait qu'il risque d'avoir beaucoup de gens qui se retrouvent... Euh, avoir des difficultés dans un, un délai proche. Puis il y a des gens qui ont déjà de la difficulté maintenant avec les paiements hypothécaires. Il y a des gens qui ont, qui ont des difficultés maintenant, mais le pire est à venir. Et on voit les rapports, entre autres ceux de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. La bombe, elle va exploser l'an prochain lorsqu'une forte proportion des hypothèques qui ont été contractées pendant la pandémie à un taux plancher vont venir à échéance et devront être renouvelées en 2024, en 2025, en 2026. Là, c'est là que ça va faire peur. Tout à fait. Il y a quand même des mesures qui ont été annoncées aussi par la ministre Freeland. Qui, il y avait déjà des mesures qui avaient été aussi demandées par la CFC, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, pour demander aux institutions financières d'être proactives. Lorsqu'on voit des situations où certains ménages pourraient être plus fragiles, plutôt que d'attendre que ces gens-là se retrouvent en difficulté, en difficulté de paiement. D'offrir un, un, un soutien ou des modalités de paiement qui pourraient aider les gens, mais c'est sûr qu'au moment des renouvellements, ça va faire mal à bien des gens. Et il faut s'y préparer à l'avance. Il y a des gens qui, qui voient ça venir, qui n'ont pas ajusté leur paiement. Il faut se mettre le nez dans ces affaires. Céline Bellefeuille, euh, d'Options Consommateurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Au merci. plaisir. Merci.